pas la moindre carapace rouge à l'horizon. J'ai l'impression de rêver. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Les Éorzéens se sont introduits sur l'île de Zeki et ont causé un grabuge pas possible. En ce moment, le combat fait rage dans la salle du trésor. On dirait qu'il s'y est passé quelque chose de pas très net. Les Rouges doivent être furieux. Même ceux qui font le guet dans la région pour le compte des impériaux sont retournés sur l'île en catastrophe. Leurs patrons vont sûrement leur passer un savon lorsqu'ils auront découvert ça. Ça veut dire que tous les rouges de la région ont été rappelés au bercail? Qu'est-ce qu'on fait, Racho? Faut bien avouer que c'est l'occasion rêvée pour libérer le village d'Issari, comme nous l'avons promis. Mais après tout, c'est pas comme si on avait signé un pacte de sang. À toi de voir. Si tu me permets une opinion personnelle, le fait d'être originaire de Doman ne devrait pas te causer du tracas ni t'empêcher de prendre la bonne décision. Comme le disait la gamine, cette affaire concerne avant tout la Confédération et personne d'autre. Aucun d'entre nous te reprochera de vouloir secourir tes camarades tout en prenant ta revanche sur le passé. Issari a beau avoir perdu sa gloire d'antan, les boissons de sa taverne avaient une saveur unique. Je suppose que le temps est venu d'y goûter à nouveau. Tu m'as l'air bien informé pour quelqu'un qui boit pas. Écoutez-moi, les Éorzéens nous ont fait retrouver le sens de l'honneur, et il est temps que nous agissions en conséquence. Personne ne nous privera de notre droit de régner sur cette mer. Les Garles Maldais se croient tout permis, mais nous allons leur montrer que nous sommes encore plus féroces qu'eux. Tout ce qu'ils ont est à nous! Maîtresse, j'ai bien peur que nous ayons affaire à une forte tête de la pire espèce. J'ai beau m'acharner, il refuse de parler. J'avoue que je commence à fatiguer. Je n'ai pas besoin de tes explications. N'importe qui peut constater que tu n'es qu'un vulgaire incapable. Je pensais que tu nous ferais gagner du temps. Mais on dirait que tu veux nous forcer à chercher le fils de Cayenne par nous-mêmes. Puisque c'est ainsi, passons aux choses sérieuses. Mets ces va-nu-pieds en rang. À chaque fois que Gossetsu refusera de répondre, tu exécuteras l'un d'entre eux. Aurais-tu déjà oublié ce que je t'ai dit ? Si tu touches à un seul de leurs cheveux, je me supprimerai sans hésiter. Bien sûr que je m'en souviens. Mais puisque cette discussion ne nous mène nulle part, tu ne me laisses pas le choix. Exposer ta tête et celle de ces gueux à la vue de tous incitera certainement Ien à sortir de sa cachette. Pirates, vous allez le payer cher! Ah! C'est le capitaine Racho! Je suis sûr que c'est lui! Il est venu nous sauver!
Et moi qui pensais que nous les avions suffisamment humiliés. Si c'est la mort que ces moins que rien veulent, je me ferai un plaisir de la leur donner. Ça m'évitera d'avoir la nausée en les regardant trop longtemps. Puisqu'ils ont tant soif de vengeance, je l'étancherai avec leur sang corrompu par le sens du devoir et la compassion, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus une seule goutte. Oh ! Maîtresse ! Attendez, je vais voir ce qui se passe dehors. La chance ne m'a donc pas tout à fait abandonné. Oh là là, il en reste encore combien? Je veux bien être courageuse, mais là, je commence à fatiguer. En effet, on dirait que nous leur plaisons beaucoup trop. Mais nous devons absolument tenir le coup pendant que notre ami affronte le primordial. C'est une catastrophe! Le grand Susano a été vaincu! Son infâme bourreau se dirige par ici! Ça va? Tu as vraiment réussi à battre Susano? Mais c'est fantastique! Après une telle victoire, je n'ai plus le droit de me laisser démoraliser. Je vous promets de tenir le coup jusqu'à ce que les pirates passent à l'action. Un signal de fumée? On dirait que ça vient du côté du village. Ça veut dire ce que ça veut dire, pas vrai? Oui, les pirates ont l'air d'avoir tenu leur promesse. Inutile de nous attarder ici. Il nous faut retourner à Isari au plus vite. C'est clair et net, mais j'ai bien peur que ces chères tortues écarlates ne soient pas de cet avis. Écoutez-moi! Nous ne sommes pas vos ennemis! Mais tant que vous serez au service des gardes maldais, nous serons forcés de vous affronter. Pour le moment, je vous propose de faire une trêve. Nous ne voulons pas vous faire davantage de mal. Laissez-nous donc partir d'ici, sinon vous le regretterez amèrement. Tu crois vraiment que nous nous laisserons humilier comme ça? Pendez-les par les tripes. Laissons Alizée s'occuper d'eux. On file d'ici tout de suite. Je ne vais quand même pas laisser tous les honneurs aux guerriers de la lumière.
On dirait que notre signal n'est pas passé inaperçu. Maintenant que vous êtes de retour, je vais enfin pouvoir dormir sur mes deux oreilles. Gosetsu, vous êtes là? Erasho et Tansui aussi? Je suis tellement contente de vous revoir. Je vous avais dit que la torture ne me faisait pas peur. J'en ai vu d'autres à mon âge. J'ai la nette impression que l'armée impériale vient tout juste de quitter le village. Que s'est-il passé exactement? Les Garlemaldais ont résisté autant qu'ils le pouvaient. Mais quand ils ont réalisé que les Kojin ne viendraient pas leur prêter main forte, ils ont pris leurs jambes à leur cou. Nous avons pu reprendre le village sans trop de dégâts. Hélas, cette harpie de Yutsuyu a réussi à nous filer entre les doigts. Son garde du corps n'est peut-être pas très futé, mais il se bat comme un diable. En tout cas, tout s'est passé comme vous le vouliez. Les impériaux sont convaincus que nous les avons attaqués en représailles de ce qu'ils nous ont fait. Ils pensent pas que nous sommes de mèche avec la rébellion de Mienne. Vous feriez mieux de continuer votre route dès que vous serez prêt. Nous essaierons d'attirer l'attention de nos ennemis afin de vous laisser le champ libre. Ce sera une tâche difficile. Mais vous avez l'air tellement motivé que je n'ai aucune raison de ne pas vous faire confiance. Nous sommes des alliés désormais. Je tiens à ce que nous le restions. Merci beaucoup pour votre coopération. Nous ferons tout notre possible afin que nos actions ne mettent pas votre groupe en danger. C'est à nous de vous remercier, ma mignonne. Mais mieux vaut garder les politesses pour plus tard. En tout cas, prenez bien soin de vous. J'ai hâte d'apprendre que votre combat aura été couronné de succès. Au fait, où comptez-vous aller désormais? Si vous voulez libérer Doma, je ne vois que la plaine de Yansha. Tu as bien deviné, mon brave. J'ai des amis qui se feront un plaisir de nous y accueillir. Une fois que nous les aurons rejoints, nous réfléchirons à la suite de notre plan. La plaine de Yansha est le centre névralgique des troubles de la région. Nous sommes arrivés à temps pour sauver ce village. Mais la plupart des hameaux là-bas ont déjà été mis à sac par Yutsuyu et ses hommes. Le venin de cette vipère est capable de pervertir les esprits comme nul autre. Prenez garde à vos ennemis, mais aussi à ceux qui prétendront être vos amis. Bon, c'est pas tout ça, mais on ferait mieux de retourner au quartier général. Soroban m'a dit qu'il avait une affaire juteuse à nous proposer. Soyez forts, on compte sur vous! On se repose un petit coup, et on repart aussitôt. Je vous rappelle qu'il y a d'autres caisses à transporter. Quand je pense qu'on s'est fait battre par de vulgaires humains... Une défaite de plus, et c'en est fini de notre honneur. Nos précieux trésors doivent être mis à l'abri. Où allez-vous comme ça, mes chères petites tortues? Ce n'est pas très sérieux d'abandonner vos postes sans prévenir. Dame Yutsuyu! Pardonnez-nous, mais notre tribu était en danger. Les vils humains ont attaqué notre forteresse, et si nous n'avions pas couru à l'aide, nous l'aurions payé très cher. Oh, la Confédération avait plus d'un tour dans son sac.
Et vous ne vous êtes pas dit que ça pouvait être une diversion? Je me demande vraiment à quoi vous nous servez. À cause de vous, mon plan est tombé à l'eau. Je voulais voir leurs corps et leurs âmes déchirées par la souffrance, leur misérable vie s'éteindre comme si elle n'avait jamais existé. Enfin, ce qui est fait est fait. En tant que vice-gouverneur de cette province, il ne me reste plus qu'à vous administrer une punition exemplaire. Attendez! Quelle pitié. Tout cela ne me fait même plus rire. Mais c'est normal, après tout. Je ne pourrai jamais sincèrement haïr de tel moins que rien. J'ai bien peur que seuls les Domiens soient capables de me divertir. Tiens donc, en voilà une belle babiole. Ne serait-ce pas l'épée magique que les Rouges gardent si précieusement? On raconte qu'elle est d'une finition exemplaire. Peut-être qu'elle pourra laver mon déshonneur. Maîtresse, vous croyez que Son Altesse Xenos nous pardonnera grâce à ça? S'il vous plaît, je ne veux pas être mis au placard! Je dois retourner en Eorzea. Je veux la peau de ce salaud, et je l'aurai! Dis donc, ça te déplaît tant que ça d'être sous mes ordres? Aurais-tu besoin d'une bonne correction par hasard? Je ne sais pas de qui tu parles, mais si tu tiens réellement à te venger, tu as intérêt à être prêt à mourir. Réfléchis-y pendant que tu transportes cette épée, crétin. Lorsque j'ai foulé le sol de la plaine de Yangsha pour la première fois, j'ai ressenti un profond sentiment de quiétude. Au loin, le château de Doma se dressait derrière une gigantesque barrière magitech. Une vision qui m'a immédiatement ramené à la réalité. C'est dans un pays ravagé, brisé et humilié, où jusqu'à l'idée même de l'espoir avait disparu, que nous nous sommes frayé un passage au cœur d'un silence de mort. De guerre, le Maldé en vue. C'est déjà ça de gagné. Parfait. Nous n'aurons pas besoin de nous cacher. Allons directement discuter avec les villageois. Allez, on y va!
Oyez! Est-ce que tout le monde se porte bien à Namaï? Qui veut bien nous mettre au courant des dernières nouvelles? Attendez! C'est bien cet illustre général samouraï que tout le monde croyait mort? Mais oui! C'est Maître Gosetsu! Incroyable! Eh bien, qu'est-ce qui vous prend tout à coup? On dirait que vous venez de voir un fantôme. Vous pensiez que je n'étais plus de ce monde, pas vrai? En effet, il s'en est fallu d'un cheveu plus d'une fois. Mais je ne m'avoue pas vaincu si facilement. Qu'est-ce qu'on fait? Si les impériaux nous voient avec lui, on est foutus! Je me demande pourquoi il est venu chez nous. Vous ici? Mais vous êtes fou, ma parole! Tu es du village, jeune homme. Pas la peine de faire cette tête. Nous sommes simplement de passage, et nous avons besoin de quelques renseignements. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te manger. C'est pas le moment de plaisanter! Venez vite par ici avant que quelqu'un ne nous voie! Voilà donc le cercle des intrépides. Les rebelles n'ont pas l'air d'être légion. Comment pensent-ils tenir tête à l'Empire avec un effectif aussi limité? Le dernier soulèvement a fait d'énormes dégâts. Avant cela, la rébellion comptait de nombreux membres postés aux quatre coins du pays. Malheureusement, il ne reste plus aujourd'hui que cette poignée de survivants. Même en incluant ceux qui sont actuellement en mission, on ne peut pas nier que leurs forces ont été réduites à peau de chagrin. Mais ce sont tous de braves combattants, des patriotes dans l'âme, qui n'hésiteront pas à nous prêter main forte pour libérer Doma. Plutôt deux fois qu'une. Tous ceux qui sont prêts à donner leur vie pour la justice et la liberté sont nos frères d'armes. Comme vous, chers amis. Même si je dois dire que je ne m'attendais pas à vous voir ici. Yugiri, les douces soient louées, tu vas bien? Je ne pensais pas que nous nous retrouverions aussi vite, mais c'est une bonne chose de faite. Oui, je viens tout juste de rentrer de mission. Et je peux vous dire que tout s'est merveilleusement bien passé. Merveilleusement bien passé? Ça veut dire que tu as retrouvé la trace de notre Seigneur? Doucement, doucement. Nous parlerons de tout ça plus tard. Dites-moi d'abord pourquoi vous êtes là. Je vois. Je suis vraiment triste pour ce qui s'est passé à Alamigo. J'aurais préféré poursuivre le combat sur place et faire payer leurs crimes aux Garles Maldais. Mais le problème, c'est que l'armée de libération miguoise a besoin de temps pour reformer ses rangs. Voilà pourquoi nous avons décidé de vous aider à sauver Doma. Nos motivations ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes, mais je pense que nous avons déjà amplement prouvé notre valeur à la mère de Ruby. Voyons, qui doute encore du courage et de la vaillance des héritiers de la 7e aube? Ce sera un honneur pour nous de recevoir votre aide. Ensemble, nous vaincrons. Et qu'en est-il du jeune seigneur, alors? Je t'avais demandé de lui mettre la main dessus coûte que coûte. Gosetsu veut parler de Hien,
qui est le fils de notre ancien seigneur Cayenne et l'héritier du trône de Doma. Il était porté disparu depuis la récente révolte. Lorsqu'il a senti la défaite arriver, il m'a ordonné de mettre notre peuple à l'abri pendant qu'il continuerait à affronter l'armée impériale. Suite à cela, il a été gravement blessé, et on n'a plus jamais revu. Mais j'ai récemment réussi à découvrir la cachette de notre jeune seigneur. Il se trouve actuellement dans la steppe d'Azim, hors du territoire d'Omia. Vraiment? Tu es sûr qu'il va bien? Où est-ce qu'il est exactement? Nous devons le mettre en lieu sûr au plus vite. Ses blessures sont quasiment guéries, et il a retrouvé tous ses moyens. Cependant, quand je lui ai demandé s'il comptait revenir à Doma, sa réponse a été pour le moins surprenante. Il m'a dit que si notre peuple avait encore suffisamment d'énergie pour continuer le combat, il reviendrait pour nous diriger. Mais si tel n'est pas le cas, il préfère se rendre aux Impériaux afin d'éviter un nouveau bain de sang. Je lui ai rétorqué que les Domiens n'accepteraient jamais de voir l'héritier du trône se sacrifier pour eux, mais il n'a rien voulu entendre. Voilà pourquoi je suis partie en le laissant dans la steppe d'Azim. Avant de faire quoi que ce soit, nous devons d'abord nous assurer que nous avons encore la volonté de nous battre. Je comprends mieux à présent. En tout cas, je reconnais bien là notre jeune seigneur. Il a plus que quiconque conscience des responsabilités qui incombent aux dirigeants d'un peuple en crise. Et il a entièrement raison. Si les Domiens préfèrent jeter l'éponge, il ne pourra jamais sauver le pays à lui tout seul. Certes, mais ce serait une bien plus grande folie que de laisser notre seigneur sacrifier sa vie et tout espoir de recouvrer un jour notre indépendance. Et que penseraient nos défunts camarades d'une telle capitulation? Nous n'avons pas le droit de trahir leur mémoire. Il est encore trop tôt pour parler de tout ça. Prenons d'abord un peu de repos en compagnie de nos camarades. Ils ont fait un long voyage pour nous rejoindre après tout. Des Impériaux. Qu'est-ce que vous avez à me regarder avec ces yeux de merlan frit, bande de chiens galeux? Mettez-vous en rang! Et plus vite que ça! Vous avez intérêt à ouvrir bien grand vos oreilles. Car j'ai un message de la plus haute importance à vous transmettre. Notre vice-gouverneur et ses hommes ont été attaqués par des pirates lorsqu'ils étaient à Issari. Suite à cette agression d'une gravité sans précédent, il a été décidé que l'effectif des soldats impériaux postés à Doma serait augmenté et les coupables punis d'une manière exemplaire. J'espère ne pas avoir à vous rappeler que vous avez juré fidélité à Sa Majesté l'Empereur. Par conséquent, il est de votre devoir de collaborer avec nos soldats afin qu'ils remplissent convenablement leur mission. Eh bien, vous vous faites dessus ou quoi? Soyez tranquille. Nous n'allons pas vous envoyer vous faire massacrer en première ligne. Quelques-uns d'entre vous vont nous accompagner et s'occuper de l'entretien de nos armes. Ils pourront rentrer chez eux dès qu'ils auront terminé leur travail. Toi, viens par ici.
Ils n'ont vraiment aucune pitié. Il ne fait aucun doute qu'ils cherchent à éliminer ce qu'ils soupçonnent d'être de connivence avec la Confédération. Et puis toi aussi. Ça devrait suffire pour l'instant. Ne t'en fais pas. Je serai très vite de retour. Sois bien sage et fais ce que te disent les grandes personnes, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui, les tutéreux. Et je vous préviens, vous n'avez pas intérêt à tenter d'imiter ces maudits pirates. De toute façon, leur sang va bientôt couler à flot. Mais c'est terrible! Nous devons les tirer de là avant qu'il leur arrive quelque chose. Je suis entièrement d'accord. Mais il est probable que les Impériaux aient procédé au même recrutement dans d'autres villages. Si nous devons agir, il vaut mieux attendre d'avoir découvert leur point de rassemblement. Je vais les suivre discrètement. Mais j'ai peur de ne pas être à la hauteur toute seule si les choses se compliquent. Puis-je vous demander de m'accompagner? Liz, je compte sur vous pour retourner au Cercle des Intrépides et avertir nos camarades. Si nous avons besoin de votre aide, je vous préviendrai aussitôt. Non, laissez-moi venir avec vous. Je veux me battre. Si je reste ici, je vais devenir folle. Votre volonté de nous aider est louable. Mais vous devez comprendre qu'il nous est préférable d'agir en petit nombre, afin d'éviter de nous faire repérer. C'est vrai, désolé, je m'emporte un peu vite parfois. Mais si jamais vous êtes dans la mouise, vous avez intérêt à m'appeler sur le champ. Écoutez-moi, nous avons réussi à réduire le niveau de surveillance des lieux, mais ça risque de ne pas durer. Profitez-en pour fuir avant qu'il ne soit trop tard. Réduire le niveau de surveillance? Ça veut dire que vous avez neutralisé les gardes impériaux, c'est ça? Mais vous êtes fous, quoi? Si on s'enfuit maintenant et qu'ils nous retrouvent, ils nous tortureront à petit feu avant de nous abattre comme des chiens. Ça, c'est ce qui risque fort de vous arriver si vous restez planté ici. Et vous le savez très bien. Même si vous n'avez pas la volonté de vous battre, vous avez sûrement celle de survivre. Ne me dites pas que l'Empire vous a pris ça aussi. Que reste-t-il du fier peuple d'Omien? Tous les Domiens ne sont pas des shinobi comme vous. La plupart d'entre nous n'ont pas subi le rude entraînement qui vous motive à ne jamais abandonner. Tout le monde ne peut pas avoir votre sens exemplaire du sacrifice. Mais vous avez raison. Nous sommes faibles et nous avons peur. Nous sommes incapables de changer notre misérable quotidien. Tout ce qui nous reste, c'est de faire en sorte qu'il n'empire pas davantage. Or, même si nous inspirons de la pitié, sachez que nous faisons de notre mieux. Cessez de nous comparer aux valeureux combattants que vous êtes. Vous nous découragez encore plus et nous n'avons vraiment pas besoin de ça. Allons, gardez tous votre calme. Vos disputes ne nous mènera nulle part. Ces personnes ont bravé un grand danger pour venir nous sauver. Et la moindre des choses serait de les en remercier. Votre visage. Oh, vous savez, chacun d'entre nous porte des blessures, que ce soit au corps ou à l'âme. Les gardes Maldais nous ont privés de nos familles, de nos amis, et même de notre seigneur Cayenne. Face à un tel déshonneur,
nous n'avons su répondre que par la soumission. J'ignore comment nous pourrions nous racheter à vos yeux. Votre courage est si grand que j'ai du mal à vous regarder en face. C'est comme si je versais du sel sur une plaie béante. Je comprends mieux pourquoi le jeune seigneur tient à vous protéger, quitte à sacrifier sa vie. Merci de m'avoir fait part de vos sentiments. Je ne sais pas si cela vous convaincra, mais permettez-moi d'ajouter une chose. Malgré d'amères défaites, la douleur qu'elles ont provoquée et la tyrannie que vous subissez de la part de l'Empire, vous êtes toujours vivant. Rien ne pourrait davantage réchauffer le cœur du seigneur Ien. Ne laissez pas le désespoir vous ronger l'âme et gardez toujours en vous la volonté de vivre. Je vous promets que je ferai tout. Absolument tout pour réduire à néant la cause de vos souffrances. Si les gardes Maldais nous rattrapent, on essaiera de leur faire croire qu'une étrange inconnue nous a dit de rentrer chez nous. Ça vous va? Bonne idée. Quoi qu'il arrive, faites tout pour assurer votre sécurité et celle de vos familles. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Ah, c'est vous. Excusez-moi, j'avais besoin d'être seule un moment. J'espère que je ne vous ai pas causé d'inquiétude. Le mouvement de l'eau a le don de m'apaiser l'esprit. Quand j'écoute ce bruit, j'ai l'impression de partir à la dérive, portée par les flots vers un lieu calme et serein. Je dois vous faire une confidence. En réalité, je ne suis pas originaire de Doma. Je viens de Suinosato, un village situé dans les profondeurs de la mer de Ruby. C'est vrai? Vous l'avez visité? Et vous y avez même rencontré mes parents? Je suis tellement contente qu'ils aillent bien. Rien ne pourrait me faire plus plaisir. Vous savez, j'ai toujours désiré être capable de protéger l'endroit où je suis née et ses habitants. Et c'est pour cette raison que j'ai rejoint un village de shinobi et me suis entraînée sans relâche. Après de longs efforts, mes camarades m'ont reconnu digne de partir en mission pour le compte de la résistance domienne. C'est à ce moment-là que je me suis rapproché de Gosetsu, du seigneur Kayen et de son fils Ien. Leur vision de la vie et leur force de caractère m'ont beaucoup impressionné. J'étais sincèrement fière de les servir, et rien n'aurait pu me détourner de notre objectif commun. La libération de Doma était devenue ma raison d'être. Cependant, au fond de moi, je sentais bien que si je me battais avec autant d'acharnement, c'était avant tout pour Suinosato. Je ferais n'importe quoi pour éviter que le malheur s'abatte sur les miens. Mes parents m'ont élevé avec tout l'amour du monde, et je veux qu'ils vivent libres et heureux pour le restant de leurs jours.
Mais ce n'est pas la première fois que je me confie à quelqu'un. Le seigneur Ian sait tout de mon passé, lui aussi. Le plus beau, c'est qu'il ne m'a jamais fait aucun reproche. Au contraire, il a toujours été très honoré de m'avoir comme allié. Selon lui, toute personne qui désire protéger les siens est un atout pour Doma. Cette attitude si bienveillante me pousse en permanence à me surpasser pour le bien de ce pays. C'est ce qui m'a donné la motivation d'accompagner les réfugiés en Eorzea. Hélas, ce n'est pas toujours suffisant pour convaincre le peuple du bien fondé de nos actions. Et c'est toujours à ce moment-là que je reste comme paralysée devant les immenses progrès qu'il me reste à faire. Merci. Ça me fait vraiment chaud au cœur. J'ai sans doute encore beaucoup à apprendre, mais avec un allié comme vous, je ne peux que m'améliorer. Tous les deux, nous allons faire des étincelles. Un aéronef garde le Maldais ? Il se dirige vers le château de Doma. J'ignore ce qui se passe, mais ça n'augure rien de bon. Vite, retournons au cercle des intrépides. Enfin, vous êtes là. Quelle est la situation, Anamai? Tout s'est bien passé. Nous avons réussi à libérer tout le monde, y compris les habitants des autres villages. Cela devrait au moins nous permettre de gagner un peu de temps. Néanmoins, l'aéronef que j'ai vu se diriger vers le château me préoccupe. Gosetsu, sais-tu quelque chose à son sujet? Tout ce que je sais, c'est que Zenos et Galvus se trouvaient à son bord. Inutile de vous dire que les dirigeants de l'Empire voient d'un très mauvais œil la série de troubles qui a éclaté à Alamigo. Ils craignent probablement un effet boule de neige dans les autres provinces. Doma est actuellement dirigée par Yotsuyu, mais elle-même obéit aux ordres de Zenos. Sentant le danger planer sur son territoire, il est probablement venu remettre de l'ordre dans ses affaires. Dans ce cas, nous devons profiter de cette occasion pour l'éliminer. Malheureusement, je doute que ce soit réalisable. Pour être franche, lorsque nous l'avons affronté à Alamigo, il était beaucoup trop fort pour nous. Tellement fort que je me demande ce qui lui procure une telle puissance. Aucun d'entre nous n'a été capable de lui résister. Ni les héritiers de la 7e aube, ni les soldats de l'armée de libération. Je ne doute pas que nous ayons tous fait des progrès depuis cette défaite. Mais si nous voulons le vaincre, nous avons intérêt à mettre au point un plan infaillible. Les Domiens sont loin d'ignorer que Zenos est un homme redoutable et sans pitié. Il n'a fait qu'une bouchée de nos meilleurs bretteurs. L'attaquer de front ne pourra que nous mener à notre perte. Cela m'a été impossible jusqu'à maintenant, mais cette fois, je veux mettre à profit toute ma furtivité de shinobi pour l'assassiner. S'il vous plaît, laissez-moi tenter ma chance. Yugiri, sache que je comprends mieux que quiconque ta soif de vengeance. Si j'avais l'occasion de trancher la gorge de ce monstre, je le ferais sans hésiter une seule seconde. Mais dis-toi bien qu'éliminer le gouverneur général de cette manière est un acte qui pourrait changer à jamais la face de Doma, pour le meilleur comme pour le pire. Est-ce vraiment ce qu'on nous a ordonné de faire ? Es-tu en train de me dire que je devrais négliger cette opportunité en or, alors que notre peuple est au bord du gouffre? Si nous n'agissons pas rapidement, le jeune seigneur n'aura pas d'autre choix que de donner sa vie pour nous. Ne te méprends pas sur le sens de mes paroles. J'aimerais seulement que tu comprennes une chose.
Assassiner Zenos ne nous procurera qu'un avantage temporaire. Et puis, que feras-tu lorsque tu auras enfin accompli ta vengeance? Penses-tu vraiment pouvoir faire face, seul, à la garde impériale? Tu dois garder la tête sur les épaules, bon sang! Ma tête est parfaitement en place. Et même si mon projet te paraît insensé, il est hors de question que je laisse les nôtres se soumettre et se déshonorer sans rien faire. Yugiri, attends! Nous voilà dans Baudra. Le voilà. Permettez-moi de vous conduire au village le plus proche, Votre Altesse. Si vous voulez bien me suivre. Quel silence de mort! On se croirait dans un cimetière. Ce n'est pas ici que je risque de trouver des proies à mon goût. S'il ne s'agissait pas d'un ordre de l'Empereur, je quitterais immédiatement les lieux. Toutes mes excuses, Votre Excellence. Je vous promets que votre prochaine visite vous satisfera davantage. L'odeur du sang répandu lors de mon dernier combat me chatouille encore les narines. Toute cette haine, toute cette peur, le plus beau des carnages. Il n'y a rien de plus plaisant que de réveiller la bête qui sommeille en chaque homme. Mais lorsque les proies ne sont que de vulgaires cloportes tétanisées par l'effroi, il est difficile de prendre du plaisir à leur traque. Une Kunoichi. J'aurais mieux fait de venir avec l'autre incapable. Tu es bien imprudente, dis-moi. Ta haine ne te sert guère. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Tu vas payer pour notre seigneur et pour tous les Domiens que tu as lâchement assassinés. Ah! Le temps est venu de mettre ma nouvelle lame à l'épreuve. Si son tranchant n'est pas suffisamment acéré, je veillerai personnellement à abréger tes souffrances. Ce serait vraiment flétrir cette beauté que de l'utiliser sur des proies aussi lamentables. Prouvez-moi que vous en êtes digne.
Je me souviens maintenant. Tu es ce fameux héros que les sauvages adultants. Nous avons croisé le fer à l'Amigo. L'étincelle rougeoyante du levant s'enflamme soudainement, menaçant de consumer la lueur bleutée du couchant. À présent, je comprends mieux pourquoi je t'ai laissé la vie sauve. Permets-moi de te demander une faveur. Va jusqu'au bout de toi-même pour rester en vie. Fais-le pour moi. Tu dois vivre pour que mon sang s'échauffe et que ma chair s'embrase. Grâce à toi, je veux retrouver les plaisirs de la chasse dans ce monde-là, morne et rompu. Pauvre idiote! Quand te décideras-tu donc à mourir? Écarte-toi d'eux, chien de garde Maldais! Qu'est-ce que vous faites là? Fuyez avant qu'il ne soit trop tard! Hors de question! Nous ne vous laisserons pas tomber comme ça! J'ai toujours pensé que ce que vous faisiez était de la folie! Que nous n'avions pas besoin de vous! Heureusement, j'ai réalisé à quel point je me trompais! J'ai tellement honte d'être resté soumis aussi longtemps. Je n'osais pas m'avouer que je devais garder la tête haute et protéger ceux que j'aime. Grâce à vous, j'ai enfin compris que nous devions reprendre courage. Si nous ne prenons pas notre destin en main, nous serons perdus à tout jamais. Voilà pourquoi nous sommes là. Notre cœur appartient à Doma. Et nous ne baisserons plus les bras! Une bande de sauvages qui se dirigent droit vers la mort de leur plein gré. Comme c'est charmant. Malheureusement, vous avez eu l'impudence de croiser mon chemin. Et cela va vous coûter cher. Extrêmement cher. Désolé de te décevoir, Zenos, mais tes projets sadiques vont devoir attendre. Fuyez vite! Gosetsu, occupez-vous de Yugiri. C'est comme si c'était fait! Enfer et damnation! On n'y voit plus rien! Dépêchez-vous de les rattraper! Votre Altesse, où allez-vous? Ça va? Vos blessures ne sont pas trop graves, j'espère. Ça va beaucoup mieux, grâce aux soins de mes camarades et à votre hospitalité. Soyez rassurés.
voilà une bonne nouvelle. Nous aussi, on est capable de mettre du cœur à l'ouvrage. Si on peut faire quoi que ce soit d'autre pour vous, n'hésitez pas à nous le dire. Allons, arrête de les transpercer du regard comme ça, ils risquent de mal le prendre. Quelques paroles réconfortantes seront amplement suffisantes. Ça va, j'ai compris. C'est plutôt vous qui devriez avoir des choses à nous dire. D'ici là, je vais m'assurer que les autres villageois vont bien. Dame Alizé, Gosetsu, je tiens à vous présenter mes excuses pour tout ce qui s'est passé. J'ai non seulement mis ma vie en danger, mais aussi celle de notre ami. Encore une fois, ma naïveté a failli nous être fatale. Ton avertissement était on ne peut plus fonder, Gosetsu. J'espère simplement qu'un jour, je parviendrai à regagner votre confiance. Ne dis pas de bêtises, Yugiri. Garde ton calme. Et demande-toi plutôt quel sens ont les paroles de notre jeune seigneur. La seule chose qui compte pour lui, c'est de protéger son peuple et ceux qui sont à son service, ce qui t'inclut toi aussi. Tu devrais donc accorder plus d'importance à ta vie. Vous n'avez pas à vous tracasser de la sorte, Yugiri. Au final, votre ferveur et votre abnégation ont redonné espoir à beaucoup de gens. Plutôt que de nous faire des excuses, vous n'avez qu'à remercier le guerrier de la lumière de s'être battu à vos côtés et d'avoir toujours cru en vous. Dame Alizé a entièrement raison. Merci infiniment pour votre aide. Les mots ne pourront jamais exprimer la reconnaissance que j'éprouve envers vous. Quand j'ai appris que vous alliez tenter d'éliminer Zenos, mon sang n'a fait qu'un tour. Quel soulagement de vous voir tous en un seul morceau. Désolée de ne pas avoir été là pour vous épauler. Alizé m'a expressément demandé de rester en retrait. Oh, je ne doute pas qu'elle ait dit ça pour mon bien. Si j'avais Zenos en face de moi, je ne pourrais pas m'empêcher de le défier, même si mes chances de victoire sont proches de zéro. Vous me regardez comme ça. Oublions cette histoire et concentrons-nous plutôt sur la situation actuelle, vous voulez bien? Nous ne devrions pas nous attendre à des représailles de la part des impériaux dans l'immédiat. Mais maintenant qu'ils sont au courant de nos intentions, ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils passent à l'action. Il est évident que nous n'avons pas les moyens de leur résister en cas d'affrontement direct. Nous devons donc mettre au point une stratégie solide. Alfino, toi qui as toujours de bonnes idées, c'est l'occasion idéale de te creuser les méninges. Eh bien, ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que malgré les quelques tentatives que j'ai pu faire à Kugane, nous ne devons malheureusement pas nous attendre à un envoi de renfort de la part de l'Alliance Eorzéenne. D'une part, cela prendrait beaucoup trop de temps. Et puis, même si les gardes Maldais ne surveillent pas la mer de très près, il ne leur serait pas difficile de repérer des navires remplis de soldats. Nous ne pouvons pas prendre un tel risque. En revanche, les impériaux postés à Doma ne sont guère nombreux actuellement. Cela, nous le devons au talent exceptionnel de nos agents secrets, j'ai nommé Hancock et Tataru. Par conséquent, en rassemblant tous ceux qui sont prêts à se battre, nous pourrions tenter de prendre le château de Doma. Ce ne sera pas une partie de plaisir, mais nous n'aurons probablement jamais de meilleure opportunité. Oh, s'il en est ainsi,
Nous devrions d'abord aller en toucher deux mots au seigneur Ien. Rien ne pourra galvaniser nos troupes davantage que son soutien. Les Domiens ont prouvé qu'ils avaient encore la volonté de se battre. Il faut immédiatement l'en avertir. Et pendant ce temps, nous devrons nous entraîner sans relâche. Notre prochaine rencontre avec Xenos sera la dernière, c'est moi qui vous le dis. Voilà une situation pour le moins intéressante. Je ne suis pas surpris qu'une telle machine ait réussi à capturer un primordial aussi redoutable que Bahamut. Que mon aéronef soit prêt à décoller le plus vite possible. Je m'en vais rendre visite à cette proie capturée à Alamigo. Quand il apprendra que j'ai fait mon devoir, Sa Majesté ne pourra plus me faire de reproches. Je me demande vraiment pourquoi j'ai placé une vulgaire informatrice comme toi au poste de vice-gouverneur. La tourmente que je t'avais ordonné de provoquer à Doma devait servir d'exemple aux autres provinces. C'était pourtant une mission sur mesure pour quelqu'un de rongé par une haine aussi sordide. Je vais te laisser encore une chance. Mais si jamais Doma tombe aux mains des rebelles, tu n'auras plus jamais l'occasion d'implorer ma grâce. Tu as intérêt à te remettre au travail sur le champ. Si tu échoues, tu périras dans les mêmes flammes que tous tes barbares de congénères. Maîtresse, est-ce que ça va? Le gouverneur général est vraiment trop cruel avec vous. Aïe! Selon toute vraisemblance, ce soi-disant héros et Orzéen soutient l'armée de libération dans leur combat. Vous êtes les meilleurs amis du monde, pas vrai? Alors tu ne devrais pas avoir trop de mal à lui mettre la main dessus, ainsi que sur ses petits amis. Nous allons leur montrer qu'on ne se moque pas impunément de nous. Oh, vraiment? Je vais enfin pouvoir lui mettre une raclée! Ouais! Depuis le temps que j'attends ça! Faites-moi confiance, maîtresse. Je vais vous débarrasser de tous ces gêneurs! Il doit s'agir de cette crevasse. Je ne ressens plus du tout l'aura des yeux du dragon. Est-ce parce que la haine de Nidhogg ne les nourrit plus? C'est bien la première fois que je me pose cette question depuis que j'ai retrouvé ma liberté.
si cette tragédie est le fait des yeux du dragon, le bon sens exige que j'aide mes amis à y mettre fin. Je suis sûr que tu serais d'accord, mon cher Alfino.